pas le temps de déjeuner, mais comme on va dans une entreprise d'agroalimentaire, je me dis que peut-être je peux déjeuner là-bas. C'est du sucre, il y en a plein, quoi. Regardez le nombre de bocaux, il doit y en avoir des centaines. On arrive dans la partie production, ça sent super bon la confiture. C'est vraiment énorme comme processus. Là maintenant on est dans la partie compote et ça sent la pomme mais c'est tellement fort. Tout ça là c'est des pommes. Ça c'est tout ce qui reste du déchet de la pomme. Regarde tout ce qu'il y a. Ouais. Le sale truc à son enfant. Il y a des tuyaux absolument partout, c'est super impressionnant. Après, on vient chauffer. Là, on forme les ponts. C'est un jeu de pression qui vient donner la forme aux ponts. C'est génial. Je me trouve dans l'entrepôt là où ils stockent les produits et je suppose que vous voyez tout autour de moi. Mais c'est immense. Bon alors maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on produisait les compotes et les confitures, moi j'ai toujours pas déjeuné, eh ben, j'aimerais bien goûter tout ça. Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que bah, tout ce site d'Elvert à Malemort, il produit absolument toutes les compotes et les confitures de la marque Paquito, donc qui est vendue dans le groupe Intermarché. Et c'est fait à Malemort, en Corrèze. Plein de compotes.